si tu es là. Lève simplement la main de là où tu es. Je sais que je n'ai pas une église, mais je reconnais que c'est un culte et que c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire ce qu'il fait. Je n'ai aucun pouvoir, juste une humaine comme toi et moi. Mais c'est lui qui décide de le faire ainsi. Il veut le faire pour qu'il ait plus d'autorité dans ta vie. Pour qu'à chaque fois que tu vas l'appeler, qu'il se positionne, il reconnaît ce qui lui appartient. Alors je ne voudrais pas que tu adores, je ne voudrais pas qu'on continue dans cette atmosphère d'adoration sans que tu appartiennes vraiment au royaume. Alors s'il te plaît, si tu es là, et si tu sens le besoin de donner ta vie à Christ, je n'ai pas l'habitude de faire ces choses. Mais le Seigneur m'a recommandé de le faire et il sait pourquoi. Viens afin que nous puissions prier ensemble. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Christ, s'il te plaît, avance. Juste ici. Si tu es ici et que tu sens fort dans ton cœur que le Christ t'appelle, s'il te plaît, avance. Yes, il y a la délivrance qui se passe quelque part ici. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir sa délivrance en ce moment. Ne soyons pas distraits. Si le peuple de Dieu peut commencer à intercéder, s'il te plaît, il y a quelque chose qui se passe ici ce soir. Si les serviteurs et servantes de Dieu sont dans le lieu, si vous pouvez commencer à intercéder, il y a quelque chose qui se passe ce soir. Si tu es là et que tu veux donner ta vie à Christ, pour que tu sois mieux entouré dans ses bras, ce n'est pas moi qui le fais. Imagine-toi qu'en ce moment, il y a une fête qui se fera au ciel. Parce que tu auras pris la décision de faire partie du royaume. J'ai appris d'un homme de Dieu qu'il y a fête au ciel, pas le jour de ton anniversaire. La fête au ciel se passe lorsque tu donnes ta vie à Christ.
Adonai, nous te recommandons. Tes enfants. Ta créature. Seigneur, qui ont créé pendant longtemps. Égaré dans ce monde pervers. Mais à qui tu donnes l'occasion aujourd'hui, Seigneur, d'entrer dans la grande famille. Cette grande famille dont tu es le Père. Éternel, le voici devant toi. Prenez la décision ce matin, ce soir, en ce jour, de te reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Rédempteur, nous te le recommandons. Seigneur, fais ton entrée dans le cœur. Établis ton règne dans le cœur. Que tu règnes désormais à jamais dans la vie. Nous te le recommandons.